Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle petite session pêche. Donc bah voilà, on arrive en décembre, donc il commence un petit peu à cailler quand même. Donc le poisson devient un petit peu difficile, sauf sur certains spots bien sûr. Donc bah là on était parti pour taper du broc, ou de la perche, voire même du cendre. Donc voilà, toute la matinée a été très compliquée. Donc heureusement on a réussi à sortir notre épingle du jeu. A trouvé un petit spot bien calé où voilà bah la perche était là, donc un petit endroit plus calme. Donc voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à prospecter ce genre d'endroit, surtout sur les petits cours d'eau comme ça. Donc essayer de trouver des endroits un petit peu cachés où le poisson pourrait se cacher et être peinard quoi. Donc là on est tombé sur un pont où bah voilà, il y avait un banc et ça nous a bien sauvé la journée, donc ça fait plaisir. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles sessions. Allez, ciao! Tiens, oh, du 2 pouces! Du 2 pouces! Oh, c'était garanti avec un petit leurre comme ça. Ils sont calés sous le pont. Poisson. Oh, c'est beau ça. Ah, belle perche. Ah, jolie. Ah, elle est sympa, elle. T'avais quoi là comme heure? Un petit 2 pouces. Quelle couleur? Imitation truite à moitié là. Ah, ils sont blancs. Vert. Ah, elle est belle, elle. Oh, regarde ça. Par contre, on. Un peu où la faire compter. Tu ramènes tout doucement. Il y en a peut-être plus d'une. Ah yes! Oh, ils sont belles hein. Oh, il doit y avoir un banc là-dessous. Sympa ça. Une belle main, ouais. Putain. On fait rien pendant 2 heures et. Et puis là. Ah, sous les ponts, c'est sympa à pêcher, c'est ça. Juste à la verticale, tu sais. Oh bah joli! Ah, ils sont calés là! C'est un peu le même effet qu'au pont du Raja. Je sais pas pourquoi ils aiment bien les trucs noirs comme ça. Un endroit de sable sombre. Putain, j'ai rate là, fait chier, ferrage de merde. Là. Ah waouh, la bourrique. Eh ben voilà, il m'a piqué. Va par là-bas, toi. Hop. Poisson. Oh, le carnage. Ah, c'est plus petit. T'es chier. Les gros, c'est.
Allez, oh le carnage. Allez, belle. Non. Ah, oh, putain, les bourriques. Ah, elles sont vraiment jolies, hein. Putain, par contre, je suis haut pour les remettre là. Dans la vase. Ouais, il y a un banc là, hein. Oh là, ouais. Ça tamponne. Ah, sympa. Ah bah tiens, pas Décroché, grand-chose, hein. impeccable. Ça pique. Ouais, ils sont calés dessous là, hein. Allez hop. Elles sont bien zébrées, hein. Oh, mais elle a fait un plat. A l'air belle. Ouais, ça va. Allez, doublé. On va vider le pont. Ah, elle me l'a engamé, elle. Putain, comment elle se jette dessus? Oh là là, la ragnole. Oh, t'as pas le droit, toi. Oh la vache. T'as pas le droit, toi. Alors, comment tu t'es branlé là? Superbe. Elles sont complètement cinglées. Hein. Oh, le boulot. Hop. Oh oui, joli là. Ah, pas mal, ouais. Tu veux une photo? Eh, pas mal. Du beau poisson, ça. Mais j'ai. Ouais. En plus, surtout qu'elle est petite, mais. Avec le lure dans la gueule. Oh là, le steak. Tiens, On va décrocher comme ça. Balancer plus loin, Ouais, je vais mettre un 3 pouces hein, s'il y a de la grosse comme ça. Bah, t'as vu? Et pourtant, il n'y a pas d'eau, je sais pas où il se met.
La tête la première. Oh bah elle va retourner dans le trou, quel con. Ah bah là, on va pas faire des kilomètres, hein. Là, pour enlever le saut, en fait. Bah ouais, limite, elle est... C'est bon ça, hein? C'est ça qu'on voulait. Putain, je me tape que de la petite, moi. Je sens même pas les touches. C'est un peu ça. Allez, moi j'ai une belle mémère. Ah. Excellent. Ah, et suivre. Allez, rends-moi ça, toi. Oh, le chantier, toi. Là, c'est le carnage. Oh,